Ça marche, vous m'entendez? Bonjour à tous. Quel plaisir de voir autant de monde pour la remise du prix Ginko. C'est le troisième prix Ginko. Alors le prix Ginko, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est un peu le double prix. C'est celui qui récompense une œuvre romanesque et c'est surtout celui qui récompense son audiolivre. Deux fois plus de chance à la fois d'avoir un prix et aussi de redécouvrir une œuvre. On est très heureux. Dans le jury, il y a des comédiens, il y a des journalistes, il y a des amis du groupe Pasteur, qu'on va inviter à monter sur scène pour s'exprimer, qui est le mécène de cette opération. Le groupe Pasteur est un groupe de santé qui a voulu apporter du bien-être d'abord à ses patients et faire découvrir l'audiolivre à des gens qui peuvent être empêchés parce qu'ils sont ou hospitalisés ou pas en état momentanément de pouvoir lire. Donc c'est un vrai challenge. C'est un prix qui a commencé très doucement il y a 3 ans et qui a vite pris sa vitesse de croisière. Je suis très heureux d'accueillir Olivia Ruiz, qui a été une présidente cette année après Thibault de Montalembert l'année dernière. Une présidence très, très engagée, très sûre de ses choix, très dynamique, pétillante. Elle connaît bien Nancy, elle a occupé la scène du Zénith il y a quelques années, elle est revenue à l'autre canal. Elle aime cette ville et je crois qu'on lui rend bien, donc je vous demande de l'applaudir, elle va monter sur scène avec nous. Bonjour Olivia, allumez votre micro, je crois qu'il n'est pas branché, ça se passe là, voilà. Bonjour à tous. Bonjour Olivia, on est très heureux. Alors d'habitude quand vous venez il fait beau, et Olive sur la place il fait toujours beau. Alors donc, on va essayer de tenir le challenge. C'est en train de changer. Voilà, c'est en train de changer. Olivia, un mot sur ce prix que vous avez présidé avec brio et avec beaucoup d'engagement, hein. Je crois qu'on peut dire ça. Bah, comme souvent, on a un coup de cœur. Et donc, qui dit coup de cœur dit certitude et affirmation de son choix. Mais on est assez vite tombé d'accord, je trouve, avec le reste des membres du jury. C'est un jury extrêmement éclectique, avec des gens de plein d'univers différents. Donc, ça a favorisé une immense richesse dans les échanges. Et je crois que ça a été avant tout un grand moment de plaisir pour chacun d'entre nous. On s'est marrés, on était tous heureux de défendre les œuvres qu'on aimait. Et en plus, on est tombé d'accord sur mon... Et en plus, on a fait le bon choix. Mon coup de cœur. Forcément. Ben oui, donc c'était merveilleux. C'était génial. Je demande à Karine Thuil et à Florence Loire-Icaille de monter sur scène et d'applaudir... Et d'applaudir les lauréates 2022. Vous pouvez vous asseoir, allez-y, prenez place. Un petit micro. Avant de demander à Christophe Baillet et à Catherine Fulpin du groupe Pasteur de monter sur scène, je vous présente très rapidement. Karine Thuil, c'est 10 romans, c'est un concours des lycéens. C'est un très très beau roman qui a très bien marché, et très poignant, qui s'appelle La Décision. Florence Loire-Icaille, moi j'en suis fan, mais c'est le Bureau des Légendes. C'est une actrice de, vraiment très, très poignante. Alors elle est un petit peu concentrée, parce qu'elle va lire tout à l'heure, un passage de l'ouvrage de Karine Thuil. On peut dire qu'on s'est assez vite mis d'accord, à la fois pour choisir le couple, alors que cette année, on avait vraiment de grands noms. On avait Connemara, on avait plein de choses et un très beau cru. Et l'interprétation de Florence Loire-Icaille et de l'ouvrage a été très vite primée. Je vais demander à Christophe Baillet, président du groupe Pasteur, qui n'est pas là. Alors, ce sera Catherine Fulpin qui va monter sur scène. Voilà. On va lui donner la parole. Catherine, deux mots sur ce prix que vous soutenez depuis le début. Oui, donc c'est un prix qui existe depuis 3 ans, dont on est très fiers de partager avec vous ce prix, de vous rencontrer, d'avoir une présidente, un jury qui était chaleureux, qu'on rencontre pour certains depuis ces 3 ans. C'est un prix qu'on défend, qui porte nos valeurs. On souhaite le partager avec vous. C'est quelque chose qu'on souhaite voir perdurer. On est ravis de vous voir et de vous accueillir ce jour. Merci Catherine. J'ai envie de partager un peu avec Karine Thuil et Florence Loire-Icaille aussi Olivia sur le fait de s'écouter quand on a créé un roman, qu'on y a mis autant de vie.
à la décision. C'est un roman très, très lourd hein, sur le personnage de juge d'instruction qui vit une crise personnelle et aussi une crise dans sa vie professionnelle. C'est pas un roman léger, c'est quelque chose qui ébranle. Quand on a sa petite voix intérieure et qu'on s'entend lu par une actrice, qu'est-ce que ça provoque ? Alors, moi d'abord, j'adore le travail des comédiens. J'ai une très grande admiration pour ce métier, parce que c'est vraiment une forme d'incarnation, ils font vivre des personnages. Et moi-même, je dis souvent que je n'aime pas lire mes livres, parce que je trouve que c'est un exercice extrêmement difficile. Donc j'étais d'abord extrêmement ravie quand on a évoqué le nom de Florence Loire-Écaille, parce que j'adore son travail, je peux le dire, ça va la faire sûrement rougir, mais j'ai tout de suite dit, mais c'est une super idée, j'adorerais qu'elle accepte. Et en fait, après, c'est vrai que d'écouter, pour moi, c'est une autre œuvre, en fait. C'est, d'une certaine façon, c'est une autre forme d'incarnation, c'est donner une autre vie, comme si le roman se déployait différemment, comme d'ailleurs quand il y a eu une adaptation pour Les choses humaines, il y a eu un film, et pour moi, c'était vraiment l'œuvre d'Yvan Attal. Et quand un comédien, une comédienne lit un texte, c'est une existence parallèle, et c'est toujours... Parfois, ça peut arriver aussi que vous n'aimiez pas hein, cette interprétation. Moi, j'ai de la chance d'avoir vraiment beaucoup aimé, mais j'aimais aussi, déjà en tant que comédienne, j'aimais la présence en fait de Florence, son phrasé très particulier, enfin, très singulière. Et voilà, je ne voudrais pas dire ça devant elle, mais je sens cette singularité, elle se perçoit en fait. Et je suis très heureuse que voilà qu'Olivia et tous les membres du jury aient apprécié cette lecture parce qu'elle est extrêmement belle et réussie. Florence, quelques secrets de fabrication. Comment on s'approprie un texte romanesque et comment on entre dans le personnage ? Allô ? Oui, ça marche. C'était quoi la question, pardon ? La question, c'était comment on s'approprie le personnage d'un roman quand on doit le lire ? Est-ce qu'on essaye d'être neutre ? Est-ce qu'on essaye d'interpréter le personnage ? Est-ce qu'on se laisse submerger par l'émotion et ensuite on régule ? Il y a quelque chose d'assez magique que nous, on ne comprend pas forcément quand on écoute un audiolivre. Ben, moi, c'est pareil, en fait, je ne comprends pas forcément. Je n'ai pas la réponse, en fait. C'est... D'abord, je lis le livre et ensuite, ça, c'est comme un plat qu'on laisse mijoter. Il y a quelque chose qui mijote et... Et ensuite, je ne sais pas, il faudrait comment on fait, c'est quoi la réponse ? C'est quelque part, c'est comme si j'avais été cette femme aussi, mais en même temps avec un peu de recul, et en même temps dans l'écriture de Karine. Enfin, c'est plein de choses. C'est très différent, j'imagine, que d'aborder un scénario, ça n'a rien à voir ? Je ne suis pas sûre. Ah. Parce que ça reste quand même les mots de quelqu'un qu'on s'approprie, en fait. C'est ça qui est beau. Et surtout quand on lit tout, quand on est partout, quand on est à la fois le narrateur, à la fois le personnage, à la fois les autres personnages. Et... Vous aimez faire ça ? J'adore. Ouais. Il vaut mieux qu'elle dise qu'elle adore, parce que sinon... Non, mais c'est lire les livres, c'est... Et je pense que Olivia aussi, il faut qu'elle lise aussi, Olivia. Moi, ça m'a beaucoup questionnée, justement, parce que j'ai lu mon propre livre, le premier, et quand j'ai découvert, justement, les livres audio grâce à ce jury et grâce à ce prix, je me suis posé plein de questions en me disant, justement, la sobriété qu'amenait Florence avec ce texte très lourd, donner une épaisseur encore... au personnage d'Alma auquel on s'attache très très vite et auquel on s'identifie très très vite, presque dès les premières pages. Et ça m'a posé question, je me suis dit, il faudrait que j'aille réécouter le mien, parce que je crois que j'ai manqué cruellement de sobriété à certains endroits. Donc je vais me remettre en question grâce à vous les filles, parce que vraiment je crois que j'aurais pas autant apprécié la lecture, l'écoute du livre audio, s'il n'y avait pas eu cette synergie et si justement la comédienne ne se positionnait pas à la bonne place par rapport au texte. Je pense qu'un texte très léger mérite une interprétation peut-être un peu plus appuyée et qu'un texte lourd méritait cette sobriété et en l'occurrence cette alchimie
entre les mots de Karine et la voix de Florence était évidente, poignante. Surtout, je ne sais pas, Olivia, parce que toi aussi tu écris, mais en fait, moi, quand j'écris, je lis à voix haute et je cherche la musicalité, en fait. Et en particulier dans ce texte-là, parce qu'elle dit « je », elle parle de son quotidien, « je m'appelle Alma Revel », voilà ce que... On est vraiment dans sa tête et il fallait trouver la voix la plus juste, parce que ça, si ça sonne faux... Parce que le lecteur, très vite, s'en rend compte, en fait. Et donc, tout ce travail sur le rythme, sur la langue, qui est, au fond, un travail aussi de comédien, d'incarnation. Karine, vous pouvez rappeler, pas le scénario, mais le pitch de ce roman. Alma, c'est une juge antiterroriste qui doit juger un Français qui s'est engagé pour Daesh et qui revient en France. Qu'est-ce qu'on fait de ce personnage, qui est à la fois un bourreau et à la fois un être humain? Et tout le roman est autour de ça. Parlez-nous un peu, de ce qui vous a coûté aussi, parce que je pense que c'est le quotidien d'une juge d'instruction antiterroriste, Alma Revel, qui a 48 ans, qui coordonne un service du pôle d'instruction de 11 juges à Paris, et qui donc au quotidien interroge des mises en cause. Et le livre se déroule au début de l'année 2016, donc elle reçoit beaucoup de jeunes de retour de Syrie, et elle doit prendre la décision de les placer sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'ils sont libres de leur mouvement, mais ils doivent pointer au commissariat, ou de les garder en détention, sachant qu'il y a des risques de part et d'autre. Si vous libérez quelqu'un et que cette personne va commettre un attentat, c'est dramatique. Et si vous maintenez en prison quelqu'un contre lequel il y a peu de charges, cette personne peut aussi être détruite, voire subir un embrigadement djihadiste. Et donc, on suit son quotidien. Et quand le livre s'ouvre, elle est aussi... déchirée dans sa vie privée, puisqu'elle s'apprête à quitter son mari, avec lequel elle a 3 enfants, qui s'appelle Ezra Halevi, qui a eu le prix Goncourt des années auparavant, qui est un écrivain sur le déclin. Et quand le livre s'ouvre, on découvre qu'elle vit une liaison, une passion amoureuse avec un avocat, un célèbre avocat, qui n'est autre que l'avocat du mis en cause dont elle gère le dossier. Donc il y a un conflit d'intérêts qui se dessine assez rapidement dans le livre et qui ajoute du conflit au conflit, puisque finalement elle est confrontée à des décisions multiples, à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée. Et pour écrire ce livre, j'ai mené une enquête au sein du pôle d'instruction antiterroriste. J'ai rencontré 5 juges qui ont accepté de me parler de leur quotidien, dans la limite bien sûr des règles de leur déontologie, mais aussi un agent de la DGSI, des avocats de djihadistes, et j'ai assisté à des procès aussi pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de réalisme dans le livre, même si c'est un roman, hein, qui fait que je crois que quand on lit et quand on écoute aussi Florence, on entend en fait la voix, la vérité en fait intime d'un juge antiterroriste. Il y a la recherche du vrai, hein, au-delà de l'intrigue romanesque, il y a la recherche du vrai. Très documenté, un peu à l'américaine, hein, la critique l'a beaucoup souligné. C'est un travail très très américain, au sens où on accumule énormément de documentation, on se renseigne, et tout ça devient fluide une fois que l'intrigue romanesque se met en place. Oui, moi j'aime bien ce qu'on appelle la littérature du réel, c'est-à-dire être au plus près de la réalité de la société pour mieux la décrypter, pour mieux la raconter. Et je pense que rien ne vaut la rencontre. Vous pouvez imaginer beaucoup de choses, par exemple sur le travail de la juge antiterroriste, mais quand vous êtes confronté à cette personne et qu'elle vous dit ce qu'elle ressent, la peur qui est la sienne quand elle prend une décision de libérer quelqu'un, son angoisse quand elle maintient en détention un jeune de 15 ans en se disant qu'il va peut-être être détruit, c'est des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre. Donc si vous n'êtes pas confronté à ce réel, d'une certaine façon, l'écrivain peut devenir un peu un sociologue, en fait, hein. Vous allez sur le terrain pour tenter de comprendre la complexité de la société et des sujets qui nous concernent tous, en fait, parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, malheureusement, fait partie aussi de nos vies. Olivia, vous avez connu un beau succès en 2020 avec La commode au tiroir de couleurs et Écoute la pluie tomber en 2022. L'audiolivre et l'expérience de l'audiolivre, ça, c'est quelque chose qui compte pour vous ou pas? Ça va sortir, ça... Alors, je ne sais pas du tout pour Écoute la pluie tomber. J'ai pas de... bah, apparemment, c'est un... en même temps que le livre de poche. En même temps que le livre de poche. Donc, c'est une vraie info. De l'année prochaine, ça, je n'étais pas au courant. C'est une vraie info. La commode et Écoute la pluie tomber en audiolivre bientôt. Voilà, bah, c'est un exercice qui est super. Alors, j'ai vous adoré, choisir mais votre j'ai actrice, trouvé non, ça... Peut-être pas. Eh bien, je ne sais pas. Vous comme avez... j'étais l'actrice du premier, je me pose vraiment la question, voilà. Cette fois. Florence pourrait totalement correspondre au personnage de Carmen, par exemple, effectivement. Voilà, t'as plus qu'à signer le contrat. Quoi. Voilà, quoi.
Mais voilà, c'est vrai que c'est une expérience géniale et en même temps, c'est un travail vraiment épuisant. Je sais que je réalisais pas à quel point il était épuisant de rester pendant 8 heures derrière un micro en train de lire. C'était surprenant, la concentration et l'énergie que ça demande m'a beaucoup surprise, du coup, d'autant plus admirative de tous les lecteurs des livres que nous avons écoutés. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que parfois, un livre qui peut être très bon, mais qui n'a pas connu de succès, puisse avoir une seconde vie grâce à une interprétation d'actrice, grâce à une lecture qui le transforme, qui le personnifie, qui lui redonne une seconde chance? Est-ce que c'est quelque chose, Karine, que vous avez vécu? Oui, c'est tout à fait possible. En fait, un texte, c'est la rencontre entre un auteur ou un comédien aussi qui l'incarne et celui qui va lire ou qui va écouter. Moi, c'est vrai que je suis particulièrement émue aujourd'hui de qu'on soit là pour l'audio-livre. Et d'ailleurs, je remercie aussi les éditions Gallimard et Écouter Lire d'avoir soutenu ce projet pour une raison en fait assez personnelle. C'est que j'ai perdu mon père en 2016 et puis il était atteint d'une maladie et en fait, il ne lisait pas. Et donc, c'est ma mère qui lui faisait la lecture à haute voix de mes livres. Et c'est vrai que ça fait que quelques années en fait que je suis en audio-livre. J'ai eu Les Choses humaines et puis La Décision. Et donc, il n'était pas vivant, hélas. Et j'y pense tout le temps, en fait. Je me dis, s'il avait été vivant, il aurait écouté le livre. Et donc, voilà, c'est très fort parce que c'est une autre existence pour des gens qui préfèrent écouter. Moi, j'ai aussi des amis qui sont très actifs, qui me disent, écoute, j'ai beaucoup de travail, j'ai plus le temps de lire, mais j'adore écouter dans le métro, tout le temps, quand je marche. Et donc, c'est très important que ça existe, en fait, parce que c'est une autre œuvre, c'est une autre incarnation. Une autre incarnation. Vous lisez en fichier, vous lisez à partir d'un CD, un peu à l'ancienne, ou comment, sur votre iPhone, comment vous écoutez plutôt? Moi, tout, en fait. Je lis beaucoup, j'aime bien le livre papier, c'est vrai, mais je lis aussi sur l'iPad et j'aime écouter beaucoup de podcasts. Après, c'est vrai que je n'ai pas encore passé le cap de lire, moi, en audio-livre, parce que j'ai vraiment besoin du contact avec le papier. Même l'iPad, c'est très rare que je lise, mais je sens que, oui, ça, c'est en train de prendre un essor considérable. Alors, l'audio-livre, c'est un produit, entre guillemets, le mot est mal choisi, mais c'est un produit qui est en vogue. Je rappelle que ça ne s'achète pas dans la grande distribution, que ça s'achète chez les libraires, qui sont des conseils et qui connaissent bien à la fois la littérature et les gammes audio-livres. Donc, courez chez les libraires, vous faire conseiller. Ça recèle des pépites un peu partout. Je propose qu'on passe à la remise des trophées. Madame Grandjean est là pour Dôme. Bonjour, n'hésitez pas à monter sur scène. Voilà. Petit micro. C'est vous. Prenez un micro. Bonjour, donc la Maison Dôme que je représente aujourd'hui est vraiment très fière de récompenser aujourd'hui donc un grand auteur et une grande comédienne avec ce trophée qui est réalisé par nos maîtres verriers qui est en pâte de cristal et qui représente donc trois feuilles de ginkgo entrelacées. Voilà. Merci Madame Grandjean. Merci beaucoup. Olivia, on remet les trophées. Bravo. Merci infiniment. Bravo encore. Olivia, allez. Ah, merci à tous, merci à Olivia, merci à tous les membres du jury qui ont voté pour nous. Merci aux organisateurs de Nancy, moi c'est un salon que j'adore, je viens toujours depuis mes débuts en littérature. Merci Écouter Lire, mes éditeurs, et merci surtout à Florence aussi d'avoir lu avec tant de talent ce livre. Merci mille fois. Et on remercie le groupe Pasteur pour son soutien. Merci au groupe Pasteur. On ne va pas faire attendre notre public, hein. Je crois qu'on va passer à la lecture. Je crois que nos amis lecteurs sont venus aussi pour vous entendre. Donc on va... Voilà, la petite séance de photos.
Florence, c'est à vous. Pupitre ? Ça vous va ? Ou assise, je sais pas, comme, un peu comme vous voulez. Si vous préférez lire assise, c'est pas un souci. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez ou pas ? Oui, très bien. Attends, ça fait vraiment genre, j'ai l'impression d'être la nouvelle présidente de la République. Pardon. Ouais. Vous m'entendez, hein ? C'est quand même pour ça, c'est quand même le but, hein. Je me nomme Alma Revel. Je suis née le 7 février 1967, à Paris. J'ai 49 ans. Je suis la fille unique de Robert Revel et Marianne Darroy. Je suis de nationalité française. En instance de divorce, mère de 3 enfants. Je suis juge d'instruction antiterroriste. Il y a 3 mois, dans le cadre de mes fonctions, j'ai pris une décision qui m'a semblé juste, mais qui a eu des conséquences dramatiques pour moi, ma famille, pour mon pays. On se trompe sur les gens. D'eux, on ne sait rien, ou si peu. Mentent-ils ? Sont-ils sincères ? Mon métier m'a appris que l'homme n'est pas un bloc monolithique, mais un être mouvant, opaque et d'une extrême ambiguïté, qui peut à tout moment vous surprendre par sa monstruosité comme par son humanité. Pourquoi saccage-t-on sa vie ou celle d'un autre avec un acharnement arbitraire ? Je ne sais pas. Je ne détiens pas la vérité, je la cherche inlassablement. Mon seul but, c'est la manifestation de cette vérité. Je suis comme une journaliste, une historienne, un écrivain. Je fais un travail de reconstitution et de restitution. Je tente de comprendre le magnétisme morbide de la violence, les cavités les plus opaques de la conscience, celles que l'on n'explore pas sans s'abîmer soi-même. Tout ce que je retiens de ces années, c'est à quel point les hommes sont complexes. Ils sont imprévisibles, insaisissables. Ils agissent comme possédés. C'est souvent une affaire de place sociale. Ils se sentent blessés, humiliés, au mauvais endroit. Ils se mettent à haïr et ils tuent. Mais ils tuent aussi comme ça, par pulsion. Et c'est le pire pour nous, de ne pas pouvoir expliquer le passage à l'acte. On sonde les esprits, la sincérité des propos, on cherche les intentions, on a besoin de rationaliser et dans quel but, car à la fin, on ne trouve rien d'autre que le vide et la fragilité humaine. J'ai intégré le pôle d'instruction antiterroriste en 2009. J'en suis la coordinatrice depuis 2012. Au sein de la galerie, une aile ultra sécurisée du palais de justice de Paris, je coordonne une équipe de 11 magistrats. Les gens connaissent mal les juges d'instruction antiterroristes. Avec les agents du renseignement, nous sommes les hommes et les femmes de l'ombre. C'est nous qui dirigeons les enquêtes, qui interrogeons les mises en examen, les complices, qui recevons les familles des victimes. On ne porte pas l'accusation. On ne travaille pas sur la culpabilité. Il y a des procureurs pour ça. Notre métier, ce sont les charges. On ne se fie qu'à des éléments objectifs, car si on n'a rien, on alimente le fantasme de la poursuite politique. Nous travaillons en binôme. Sur les dossiers les plus importants, nous sommes 3, voire 4 ou 5. Le premier juge saisi est en charge du dossier, mais dans les réunions et au moment de la prise de décision, nous sommes 2. 3 services d'enquête collaborent avec nous. La Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI,
la sous-direction antiterroriste qui dépend de la police judiciaire, la SDAT, et la section antiterroriste de la brigade criminelle, la crème des enquêteurs. Pour les attentats, les trois services sont saisis. Mon travail, c'est de coordonner et de diriger l'action des policiers. J'échange une cinquantaine de mails par jour avec les enquêteurs. On a des réunions régulières. On peut faire beaucoup d'expertises, ADN, informatique et d'autres sur la personnalité psychologique. On missionne des psychiatres, des enquêteurs de personnalité pour reconstituer des parcours. Le pôle antiterroriste est l'un des postes d'observation et d'action les plus exposés. Il faut être solide, déterminé, un peu aventureux, capable d'encaisser des coups, de supporter la violence, interne, externe, politique, armée, religieuse, sociale. La violence, partout, tout le temps. Rien ne nous y prépare vraiment. Mon prédécesseur m'avait prévenu, tu seras aspiré par cette noirceur, elle te contaminera, tu n'endormiras plus. Je n'imaginais pas qu'elle m'abîmerait à ce point. On se sent parfois très seul, confronté au risque d'instrumentalisation politique, à la manipulation, aux attaques, à la récupération médiatique de nos affaires. Quand on instruit des dossiers aussi lourds que les attentats des années 2012 et 2015 notamment, on est écrasé par le poids de la douleur collective. Les gens attendent beaucoup de nous, trop sans doute, car nos pouvoirs sont limités, nos forces aussi. Chaque matin, je suis confrontée aux limites de ma résistance et à la gestion de mon stress. J'arrive à mon bureau à 8h30, je repars à 19h, en théorie, car en réalité, le terreau, c'est 24h sur 24. Je prépare mes interrogatoires ou rédige mes ordonnances chez moi, le soir. Je reviens le week-end, quand je suis de permanence. C'est aussi, je crois, un moyen de fuir mon quotidien, de ne pas affronter la décomposition de mon mariage. Mes journées sont intenses, ponctuées par les interrogatoires, les réunions, les discussions avec les enquêteurs, les avocats, les autres juges. C'est un long tunnel de prise de décisions sensibles et de responsabilités. La tension est constante, permanente. Une simple erreur de procédure peut être fatale. À mes débuts, j'ai été juge de droit commun. Si je relâchais un trafiquant, je savais qu'au pire, il allait trafiquer. Mais là, si je me trompe, des gens peuvent être tués à cause de moi. Mon quotidien, ce sont aussi les missions, jusqu'à 4 par an, dans des zones de conflit minées par le djihadisme, au milieu d'agents du RAID ou du GIGN surarmés, les exercices de sécurité, l'obligation de changer de chambre au milieu de la nuit pour ne pas être identifiable, la confrontation avec les gardes des détenus que je suis venue interroger, des types dont je ne sais rien, imprévisibles et sanguins, masqués de tête de mort, les slogans scandés en pleine nuit, « Français, partez maintenant, sinon ce sera trop tard », les risques de maladie, sur place, les traitements préventifs qui me laissent exsangue, et ce moment où, avant de partir, j'embrasse mes enfants sans leur montrer mon émotion, en pensant que c'est peut-être la dernière fois. Je suis saisie de tous les attentats commis dans le monde ayant occasionné des victimes françaises. Je me rends régulièrement dans des dictatures touchées par le terrorisme, des théâtres de guerre où règne l'anarchie, les régimes patriarcaux les plus archaïques. Ce sont toujours des situations à risque. Je sais que je peux être maltraitée, humiliée et, dans le pire des cas, kidnappée. Sur l'échelle de mes angoisses, le viol et la décapitation arrivent juste en dessous de la mort de mes enfants. Souvent, j'ai eu peur. Mais au bout d'un certain temps, la peur, on finit par la dominer. La réalité, c'est qu'on s'habitue à la possibilité de notre propre mort, mais à la haine, jamais. La haine surgit et contamine tout. Elle est là, quand j'ouvre les courriers des détenus. Alma Revel, vous allez crever en enfer. Le compte-rendu d'écoute intercepté dans les parloirs sonorisés. La juge, cette pute.
Elle est là quand je visionne des vidéos d'exécution ou des images prises sur les scènes de carnage. On va balafrer votre pays de mécréants. Elle est là quand j'interroge des hommes, des femmes, des adolescents. Je ne reconnais pas votre justice. Vos lois, vous êtes rien. Elle est là au moment où je reçois des SMS de menaces. Les frères vont buter ta gueule, grosse salope. À la fin, ces micro-fissures provoquent une fracture, une béance qu'il faut bien combler d'une façon ou d'une autre par une narration affective, même factice. Or, d'une manière générale, les gens n'aiment pas les juges. Ils nous voient comme les clés de voûte d'un appareil punitif. Nous serions rigides et trop puissants, les thuriféraires de la loi, le bras armé de la coercition. Au-delà de l'aspect coercitif, il y a quelque chose de fascinant dans mon activité. Juge, ça vous plonge dans les abysses de la nature humaine. Les gens se mettent dans des situations terribles et moi, j'accompagne ces humanités tragiques. J'ai devant moi des gens broyés par le destin, issus de tous les milieux sociaux. Le malheur est égalitaire. Il ne faut pas croire que certains s'en sortent mieux que d'autres. Dans la vie, chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses chances, de ses capacités, et c'est tout. Sur mon bureau, j'ai encadré cette phrase de Marie Curie. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Mais parfois, on ne comprend rien. J'avais à peine 24 ans quand j'ai été confrontée à la dureté du métier de juge d'instruction. Les faits étaient épouvantables. Une petite fille de 6 ans avait été retrouvée poignardée dans son lit. C'était son père qui l'avait découverte à son réveil. La mère avait disparu. Il avait appelé la police. Les enquêteurs l'avaient cherchée partout, dans les forêts voisines, les caves inhabitées, les morts terrains. Ils avaient retrouvé son corps échoué au bord d'un lac. Elle était morte, noyée. L'enquête avait conclu qu'elle s'était suicidée après avoir tué son enfant dans un accès de folie. Pourquoi ? Comment ? On ne le saurait jamais. Il faudrait vivre avec le mystère de ce passage à l'acte. Je devais annoncer à ce père, ce mari détruit, la fin de la procédure. J'étais si jeune, avec quel ressort psychologique allais-je arriver au bout de mon entretien ? Je revois cet homme en larmes, je revois la greffière et l'avocate en larmes aussi. J'ai dû trouver la force et les mots. Ça a été terrible, mais je l'ai fait. J'ai intégré l'antiterrorisme 8 ans après les attentats du 11 septembre. J'interrogeais des hommes, des femmes, dont certains avaient chanté et dansé devant les images de l'effondrement des tours, qui désavouaient la version officielle et criaient au complot. Depuis 1995, il n'y avait pas eu d'attentat en France. Et en 2012, un terroriste islamiste de 23 ans tuait successivement 3 jeunes militaires en civil avant de pénétrer dans une école juive, arme à la main, pour assassiner 3 enfants et le père de 2 d'entre eux. À cette époque, j'ai accepté de devenir coordinatrice du service en mémoire de ces enfants. J'étais révoltée contre l'immobilisme étatique, la lâcheté et l'aveuglement de la société. Je voulais comprendre comment on en était arrivé là. Le tueur n'était ni un fou ni un psychopathe, mais un jeune délinquant, hableur, frimeur, qui volait des motos pour faire des rodéos. Qu'un jeune comme lui, un profil que les services de renseignement avaient même songé à recruter, fut capable de tuer des jeunes de son âge, puis le soir même, d'aller manger une pizza avec son frère et sa sœur avant de viser de sang-froid, 4 jours plus tard, des enfants dans leur école, des enfants dont l'un avait encore la tétine dans la bouche, montrer qu'il n'y avait plus de limite à la barbarie et pas de moyen sûr de déceler le risque d'un passage à l'acte. Il était armé, il avait discuté pendant plus de 20 heures avec les négociateurs du RAID et la DCRI, sans montrer aucun signe de faiblesse, sans reddition possible. On ne parlait que de ça dans le service. Est-ce que des erreurs avaient été commises ? Et lesquelles ? On ne comprenait pas grand-chose à l'époque.
On était perdus, mais à partir de là, on a travaillé sur toutes les filières. Les terroristes islamistes représentaient 90% de notre contentieux. Leur propagande avait trouvé la manière d'exploiter les failles de notre société, mais nous avions aussi des terroristes d'extrême droite, d'extrême gauche. On vivait avec une menace permanente au-dessus de la tête. Quand un attentat se produisait, on s'appelait entre juges. Tu crois que c'est qui ? On cherchait des informations sur l'auteur. On voulait savoir s'il était connu ou non à l'instruction, si l'un d'entre nous l'avait déjà interrogé. Notre angoisse, c'était de ne pas avoir interpellé quelqu'un qui était passé à l'acte. Je suis comme les autres, ni meilleur ni pire, pas mieux préparé aux tentations de l'existence. Au bout d'un certain temps de vie commune, pourquoi se mentir ? Une lassitude s'installe, on se surprend à rêver ailleurs. Certains franchissent le pas, d'autres renoncent pour préserver une stabilité illusoire, par sens moral peut-être, sans trop y croire. Dans les deux cas, ça devient rapidement déceptif. Le délitement d'un couple, c'est une expérience tragique. Je pensais que je saurais résister, que je ne sortirais jamais des zones balisées, que je pourrais dire non, m'éclipser au bon moment, c'est-à-dire avant de souffrir. Je me suis trompée. Ça, c'était avant les traitements médicaux, la naissance de mes enfants, les nuits blanches, la fin programmée du désir. Et un jour, moi aussi, j'ai succombé. Par peur de la mort, de l'ennui, de l'inertie, il avait suffi de pas grand-chose pour que je bascule. Je crois que j'ai eu envie de décevoir les attentes que les autres avaient projetées sur moi. J'étais alors convaincue qu'on ne pouvait pas être heureux sans exercer sa liberté, au risque de l'erreur, au risque de la solitude. Est-il juste de dire la vérité à quelqu'un quand on sait que ça le fera souffrir, cette vérité ? Qu'aurais-je dû répondre à Ezra ? Oui, j'ai eu une liaison il y a quelques mois avec un avocat pénaliste de mon âge, Emmanuel Forest. Pas une simple aventure, non, une histoire d'amour. Et je n'ai pas eu le courage de te quitter. La légèreté, la déloyauté, les artefacts de la société contemporaine, je n'étais pas formatée pour ça. Quand j'ai rencontré Emmanuel, j'étais absorbée par mon travail, je ne pensais plus au sexe autant qu'avant. Non, ça n'est pas exact. J'y pensais, mais avec un détachement de façade, comme quelque chose qui ne devait plus être prioritaire dans ma vie. Je me persuadais que mon activité professionnelle occupait tout l'espace, mais je savais, au fond de moi, on le sait tous instinctivement, qu'il faudrait un jour payer le prix de cette résignation. On a beau éloigner le désir sexuel de son univers mental, faire comme si on pouvait s'en passer, le contenir, il finit toujours par vous sauter à la gueule. Et ça, quel que soit l'âge et la condition sociale. Je ne cherchais pas une aventure, surtout pas avec un avocat. Il y a une règle tacite. Rien n'interdit à un juge d'avoir une relation amicale, amoureuse, avec un avocat, mais dans les faits, mieux vaut s'abstenir. Ça évite les problèmes, en particulier quand on a des dossiers en commun. Il peut y avoir conflit d'intérêts. J'ai toujours veillé à garder des relations strictement professionnelles avec tout le monde, et en particulier les avocats. Il y a une méfiance, des antagonismes, et ils sont soumis à nos décisions. Ils nous reprochent d'être trop durs et nous voulons éviter d'être influencés ou manipulés. Nous tenons plus que tout à notre indépendance. Cette méfiance n'exclut pas le respect, la cordialité, parfois l'admiration ou l'amitié. Des connivences se créent. Je me croyais à l'abri de tout dérapage. J'étais d'un naturel défiant, je pouvais être froide, et ce n'était pas qu'une posture.
La séduction frontale n'avait jamais été mon mode de communication. L'humour, l'ironie, bien amené, oui, j'adorais ça, mais l'érotisation des échanges, non, pas les liens troubles. Le sexe est aussi une affaire de pouvoir, de rapport de force, et je ne voulais pas donner à quelqu'un les moyens de me déstabiliser ou d'exercer une quelconque pression sur moi. Tout cela, bien sûr, c'est de la théorie. C'est de la morale codifiée, mais la vie s'en mêle, les principes s'effondrent, et on finit par se trahir. Un avocat issu d'une grande lignée de juristes, batailleur, médiatique, un homme à la réputation sulfureuse, connu pour ses combats contre les violences policières, les dérives de l'état d'urgence, un homme avec lequel j'étais amenée à travailler puisqu'il défendait de nombreux jeunes de retour de Syrie, quelqu'un que j'aurais dû normalement tenir à distance, c'était bien le pire choix auquel je pouvais céder. Je me suis souvent demandé comment j'avais pu tomber amoureuse du seul homme que j'aurais dû éviter. Comment une femme comme moi avait pu se laisser prendre à un piège aussi attendu, aussi facile? Je ne suis pas dupe, pas naïve, pas romantique, pas idéaliste. Mais j'étais exposée à la douleur. Les gens pleuraient dans mon bureau, des victimes, des parents de victimes, des parents de détenus, des femmes auxquelles on avait retiré leur enfant, parfois même les détenus eux-mêmes. J'étais la dépositaire de cette souffrance. Ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai eu besoin de cette histoire pour tenir. Cet amour avait été à ce moment précis de mon existence une nécessité. Ça s'est passé un soir, à l'issue d'un interrogatoire particulièrement éprouvant. Je veux retranscrire quelques échanges pour que l'on comprenne la dimension tragique de ma fonction. Cet après-midi-là, j'avais reçu un couple dont la petite fille de 9 ans était morte dans un attentat. Il n'existe pas de mot dans la langue française pour désigner celui qui a perdu son enfant, alors qu'il y en a un, orphelin, pour celui qui a perdu son père ou sa mère. Comme s'il s'agissait d'une situation hors de l'entendement, hors du langage, un statut impossible à définir, à qualifier, un vide moral et juridique. Quand je recevais ses parents ravagés par le chagrin, je devais paraître à la fois présente et solide, faire preuve de tact et de pédagogie, être à l'écoute, mais aussi savoir qu'il pouvait en retour chercher à me déstabiliser. Les parents avaient demandé à me rencontrer, accompagnés de leur avocat. Plus d'un an après le drame, ils avaient appris incidemment, en ouvrant le CD-ROM qui contenait tout le dossier d'instruction, que les organes de leur fille avaient été prélevés au cours de l'autopsie, sans leur consentement. On a beau tenter de préserver les familles, leur dire d'éviter la lecture des pièces de procédure, elles fouillent, elles veulent savoir. Le jeune père était prostré et c'était sa compagne qui parlait. Vous vous rendez compte de ce que cela fait de voir le corps de votre fille sur la table de la morgue? Je comprends, madame. Je peux imaginer. Non, vous ne pouvez pas. Ne dites pas ça. Plus jamais. Ce n'est pas votre enfant. Retirez vos paroles. Vous ne savez rien. Est-ce que je devais lui dire que mon meilleur ami, grand reporter à la radio, avait été assassiné par les talibans en 2007. Lui avouer que c'était pour cette raison que j'avais demandé à intégrer le pôle d'instruction antiterroriste 2 ans plus tard. Mais je n'ai rien dit, je l'ai laissé m'accabler. Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, taisez-vous. Je m'étais tue. Je ne voulais pas ajouter mes paroles à sa douleur. Vous êtes sans cœur, c'est vous qui avez ordonné le prélèvement des organes de notre fille. Et dans quel but ? Non, ce n'est pas moi, ce sont mes collègues du parquet.
Elle s'était effondrée en larmes. Son mari l'avait aussitôt serrée contre lui. « Nous n'avons plus de vie. Nous avons tout perdu. » Je les avais consolés comme je le pouvais, mais j'étais ébranlée. Leur souffrance me contaminait. Soudain, leur avocat s'est adressé à moi sur un ton forcé, un peu trop officiel. Il était bouleversé lui aussi. « Je vous demande de lever les scellés judiciaires afin que mes clients puissent faire placer les organes prélevés sur le corps dans la tombe de leur enfant. » Je ne l'écoutais pas. J'étais concentrée sur mon échange avec la mère. « Je voudrais pouvoir vous aider. Dites-moi ce que je peux faire. » La mère pleurait sous le regard impuissant de son mari, claustrée dans une tristesse irrépressible. Je lui avais tendu une boîte de mouchoirs, lui répétant que je voulais les aider, mais elle s'est braquée. « Vous ne pouvez rien comprendre à ce que je ressens. Vous voulez passer pour sympa alors que vous n'en avez rien à foutre de ma détresse. C'est fini pour moi. J'ai de l'eau jusqu'à la tête et j'ai décidé de me noyer. » « Non, ce que vous ressentez, ça m'affecte. » Certains de mes collègues étaient tétanisés devant l'expression de la souffrance des gens. Ils cherchaient à tout prix à la contourner. Moi, non. Les familles des victimes me posaient souvent la question « Pouvez-vous me dire si ma femme, mon amie, mon enfant a eu le temps de souffrir ?» Cette question, je la posais parfois à des experts. Ils me répondaient crûment. Je me souvenais de la famille de la victime d'un crash aérien. La réponse de l'expert m'avait anéantie. Je ne l'écris pas pour ne pas choquer. Je veux simplement que l'on comprenne la réalité de mon métier. La violence de ce qui nous est révélé. Je ne suis pas plus forte qu'une autre, pas plus courageuse. Je subis les interactions humaines sans chercher à en éluder la dureté. Là se cristallise peut-être la gravité de ma fonction. Je veux qu'on sache les nuits d'insomnie, le sentiment de défaite, l'impossibilité parfois de maîtriser ses émotions, ce moment où l'on pleure en cachette dans un bureau ou dans les toilettes du palais en se répétant que ce métier exige trop de nous. Tout en restant franc, on doit choisir les mots. On propose des réponses empathiques et édulcorées. On ment par omission pour protéger les familles. Et c'est peut-être aussi un peu de nous-mêmes que l'on protège. Il était 20h30 quand je suis arrivée dans l'appartement que ma fille Milena occupait avec son compagnon, un deux pièces situé dans le 20e arrondissement, près du parc des Buttes-Chaumont, où ils allaient courir ensemble chaque jour. Je le devinais à la présence de leurs paires de baskets à l'entrée, leurs blousons de sport et les brassards où glissaient les téléphones portables. L'appartement était décoré de meubles chinés dans des brocantes. Au mur étaient accrochées des photos d'art. Ce soir-là, ils avaient invité quelques amis pour leur montrer l'appartement où ils venaient d'emménager. Ali avait préparé le dîner et dressé le buffet. Il prenait un selfie de lui et de Milena à la lueur des bougies qu'elle avait allumées et riait en choisissant un filtre avant de le poster sur son compte Instagram. Je n'étais pas inscrite sur les réseaux sociaux. Ezra, oui. Il aimait dire qu'il avait lu une enquête expliquant que plus un individu doutait de son couple ou de son bonheur, plus il allait l'afficher sur les réseaux. En observant ma fille et Ali, j'avais pourtant le sentiment d'un amour authentique. Nous avons pris place autour de la table basse sur laquelle Milena et Ali avaient déposé l'apéritif. Ils riaient de leurs blagues qu'ils semblaient seuls à comprendre. Ils avaient cette vitalité propre aux jeunes couples qui n'ont pas encore été abîmés par les déceptions, les disputes, tout ce qui finirait par arriver avec la parentalité, les épreuves, les échecs. Je me demandais si leur amour allait durer. J'essayais de me souvenir précisément du jour où j'avais cessé d'aimer Ezra. Et d'ailleurs, était-ce un point de rupture ou un long processus ? Ali ne semblait voir que ma fille.
encellulé dans la phase de sidération amoureuse où l'autre est tout pour vous. Chaque fois qu'il s'approchait d'elle, il ne pouvait pas s'empêcher de la toucher. La façon dont il la regardait surtout trahissait le désir qu'il avait d'elle et qu'il était incapable de contenir, même en ma présence. J'étais très heureuse du bonheur de ma fille et dans le même temps, la manifestation de leur amour me renvoyait à tout ce que j'avais perdu. Oui, bien sûr. Ah. Oh. Mais moi aussi, j'avais été cette femme amoureuse et aimée, mais à présent, je me sentais disqualifiée sur le banc de touche au mi-temps de ma vie. On a sonné à la porte, les premiers invités sont arrivés. En moins d'une demi-heure, l'appartement s'est rempli d'amis de leur âge, des jeunes issus de grandes écoles en majorité. La plupart d'entre eux allaient partir aux États-Unis. Je les observais, tandis qu'ils dansaient, fumaient, riaient, formaient des petits groupes. On discernait au premier coup d'œil les leaders, les timides, les arrogants. Quelques couples s'embrassaient. Je me suis dirigée vers la chambre de ma fille et Ali. C'était une grande pièce au mur blanc, à la décoration épurée, au centre de laquelle trônait un lit recouvert de draps en lin et de coussins multicolores. Des dizaines de livres s'entassaient sur deux tables de chevet en rotin. Devant le lit, j'ai repéré tout de suite l'immense miroir. Et cette vision m'a renvoyée au déclin de ma vie amoureuse. Je me suis assise par terre, face au miroir, et j'ai allumé une cigarette. Mon téléphone a vibré. C'était un nouveau SMS de menace. Demain, ferme ta gueule. Soudain, j'ai entendu ma fille crier mon nom. J'ai regagné le salon. Elle avait préparé un gâteau. Les invités chantaient « Bon anniversaire ». J'ai soufflé les bougies, bu un peu de champagne. J'avais la tête qui tournait, mais pour la première fois en 48 heures, je me suis sentie bien. J'ai cru à une renaissance possible. Les invités partis, Ali a préparé mon lit dans le salon. Je le regardais faire, il était délicat, attentionné. Puis il a rejoint ma fille. J'ai sorti les affaires de mon sac. Mes dizaines de feuillets s'entassaient sur la table basse. Jusqu'à 3h du matin, j'ai relu le dossier Abdallah et préparé les questions de l'interrogatoire que je devais mener le lendemain après-midi. Enfin, je me suis endormie. Il était 6h30 quand Ali a fait éruption dans le salon. Déjà réveillée, je suis aux assises ce matin, je prépare mon intervention. Il m'a fait un café et m'a demandé s'il pouvait s'installer près de moi, à la table de la salle à manger, pour travailler. J'ai acquiescé et il m'a rejointe. Je dois écrire ma plaidoirie pour le concours des secrétaires de la conférence. La conférence de stage était une sorte de confrérie à laquelle on accédait qu'après avoir remporté un concours d'éloquence, ce qui permettait d'obtenir toutes les affaires pénales qui se présentaient. En cette année 2016, beaucoup de dossiers de terrorisme. Quel est le sujet ? Faut-il saccager sa vie ? J'y ris. Je dois répondre par la positive. Oui, il faut saccager sa vie. Vous avez des idées ? Je peux vous aider, je m'y connais en saccage. J'en vois toute la journée. J'incarcère des gosses de plus en plus jeunes. Et ils ont parfois 15 ans. C'est un dilemme à chaque fois. On vit avec la peur de laisser en liberté ou de relâcher quelqu'un qui va commettre un attentat, alors on enferme. Mais ces jeunes qui ne sont pas passés à l'acte, doit-on les qualifier de terroristes ? Le but des terroristes, c'est d'effrayer l'adversaire et de rallier les populations à leur cause. Certains chefs d'État ont été traités de terroristes en leur temps, entre 1981 et 1986. Paris était la capitale mondiale du terrorisme. Les Arméniens faisaient sauter les files d'attente devant la Turkish Airlines à Orly.
Les Israéliens et les Palestiniens réglaient leurs comptes à Paris. Les Iraniens se livraient à leur exercice sanglant ici aussi. Idem pour les Basques, les Brigades Rouges, la bande Abadère. Tous les terroristes vous diront qu'ils sont des résistants. Ça légitime leur action. Moi, je pense que le terrorisme ne se justifie jamais dans une démocratie. Le terrorisme, ce n'est pas qu'une méthode, c'est l'amour de la mort. Les terroristes ne rêvent que de ça, celle qu'ils donnent aux autres et celle qu'ils se donnent. Ils remplacent le combat des idées par la peine de mort. J'étais fatiguée, mais Ali semblait intéressée par mon métier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez ce qui conduit à la radicalisation ? Je n'aime pas employer ce terme de radicalisation. En tant que juge, je préfère celui d'embrigadement djihadiste. Qu'est-ce qui pousse un individu à passer à l'acte ? Certains vous diront qu'il s'agit d'un point de bascule. Moi, je pense que c'est le résultat d'un processus. Il y eut un silence, puis Ali a dit... Je ne comprends décidément pas pourquoi il est plus glorieux de bombarder de projectiles une ville assiégée que d'assassiner quelqu'un à coups de hache. J'étais sonnée par sa remarque. Je ne parvenais pas à cacher mon trouble. Il a souri. Est-ce que vous savez qui a dit ça ? Un aspirant au djihad, j'imagine. Non ? C'est Dostoïevski. Dans Crime et Châtiment, 1866. Raskolnikov, voilà un exemple de saccage total. Je vais écrire ma plaidoirie sur lui. Il a saisi le livre dans la bibliothèque. J'adore ce texte. Tout y est. Il a ouvert une page au hasard. On a lu un extrait. J'ai voulu tuer Sonia, sans casuistique, tuer pour moi-même, pour moi seule. Ce prénom, Sonia m'a fait sursauter. J'ai pensé au dossier Kassem. Ma fille a appelé Ali. Il a souri. Je dois y aller. Et je l'ai regardé s'éloigner vers la chambre. J'enviais son calme, sa sérénité, cette forme de joie pleine que procure l'amour quand il est partagé. Pour moi, il n'avait d'amour qu'en péché. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Quelle interprétation, bravo. Bravo Laurent. Bravo. Je crois que si le talent a un nom, c'est aujourd'hui, c'est Florence. Voilà, bravo. Si le talent a un nom aujourd'hui, c'est Florence. Bravo pour cette interprétation. Bravo et merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Audiolivre, libraire, et toujours bien choisir. Voilà.